Les amis, ici c'est l'Alpe d'Huez, c'est l'édition 2023 des Cycles du Cœur. Et une fois de plus, on a tout donné! On est à 1800 mètres d'altitude à peu près et c'est exactement l'altitude à laquelle on va devoir arriver. Mais en partant du pied de cette ascension mythique qui comporte 21 virages. Le défi est que les 500 participants arrivent au sommet avec la pêche. J'ai accepté d'être parrain parce que c'est une association qui me tient à cœur, évidemment. Pour moi, c'est un réel honneur et un vrai plaisir d'être présent ici et de pouvoir participer activement. Ici, on est au point de ravitaillement, virage 7, qui s'appelait avant le virage des Hollandais, mais depuis aujourd'hui, qui s'appelle le virage des Belges. Donc en fait, on est sponsorisé pour les produits par Triaction, qui a apporté la boisson énergétique, ISO, les gels très liquides et les pâtes de fruits. Et puis une belle zone arrivée, on va vraiment suivre le parcours du Tour de France. On arrive réellement à l'arrivée du Tour de France. Je viens d'arriver premier ici, non, un peu plus d'une heure. Ah, il faisait magnifique, donc c'était que du plaisir. On avait tout ce qu'il fallait pour passer une belle journée, des bons supporters, un bon esprit de groupe. Bonjour, c'est Richard Virenque en direct de l'Alpe d'Huez. On est arrivé parce qu'on a tout donné. On est dans un format d'exclusivité, ça veut dire que l'ensemble du resort est vraiment privatisé pour les participants du Cyclo du Cœur. Marcel Bike Shop est présent ici pour aider tous les participants pour tous leurs petits ennuis techniques. On collabore avec le Télévis depuis maintenant 4 ans. C'est la fourniture de 500 maillots que l'on met à disposition et qui permet comme ça de pouvoir gravir cette Alpe d'Huez tous habillés de la même manière. Et maintenant, de notre côté, ça permet de montrer la marque au grand public. Notre partenariat, c'est nouveau depuis cette année. On est très heureux de pouvoir soutenir. Avec Télévis, on a un partenaire magnifique qui nous soutient aussi dans sa campagne. Skoda est une marque qui a du cœur pour les gens, en particulier les gens qui sont touchés par la maladie. Pendant des années, Skoda a supporté en Belgique la lutte contre le cancer du sein. Et maintenant, on veut continuer nos efforts en supportant les cycles de cœur de Télévis, par offrir aussi des voitures d'assistance pendant la course, mais aussi en participant activement avec un peloton Skoda composé d'employés de Skoda et des 20 gagnants passionnés de la marque qui ont gagné le concours parce qu'on croit vraiment qu'ensemble on peut faire la différence et on va tout donner pour les cycles du cœur à l'Alpe d'Huez. Je suis vraiment impressionné par l'organisation. J'ai vraiment envie de promouvoir cet événement qui se fait également pour une bonne cause et de motiver plein de gens à venir rouler avec nous. Et chapeau à tous ceux qui mettent tout ça en place. Grand merci à tous les organisateurs pour cette belle épreuve. Nous remercions nos partenaires Skoda, BioRacer, Club Med et Groupe Gobert, nos sponsors fidèles qui nous permettent de pouvoir réaliser ce défi. Et nous espérons bien sûr qu'il y aura encore beaucoup de montagnes, beaucoup de cols que nous pourrons monter ensemble en partenariat avec Télévis et Cyclo du Cœur. Et ici à l'Alpe d'Huez, on va tout donner pour le Télévis. On va tout donner pour le Télévis. Tout donner pour le Télévis. On va tout donner pour le Télévis. Cette année, je vais tout donner pour le Télévis. Tout donner !